Salut tout le monde, c'est Seijoki et on se retrouve pour ce 16e épisode de Higurashi no Kokoro ni ou Le Sanglot des Cigales en français. Donc aujourd'hui, nous allons continuer l'histoire où on l'avait arrêté la dernière fois. Donc là, dans la dernière fois, nous avions été interrogés par Oishi, un policier. Et donc on va continuer à partir de là. Alors, c'était à nouveau mars 25. Oups. Novembre, donc c'est le premier. Clac, voilà.
Donc cette fois nous avons quelques autres indices. Donc déjà voyons juste voir une fois, juste pour regarder combien d'indices on a en tout. On a. Ok. Ok, il n'y a bien que 2 pages en tout. Donc ça veut dire qu'on a 14 indices. Alors, indice non lu, il n'y en a que 2. Donc ça veut dire qu'on a ces deux-là à regarder. Alors, on va commencer par plus de 4 meurtriers. Très étrange. Donc c'est-à-dire qu'il y a à peu près 4 agresseurs pardon, qui ont attaqué Tomitake. Mais
il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est qu'il était dans un cas de folie. Donc en théorie, s'il y avait quelque chose d'autre qui avait déclenché sa folie, il aurait même pu s'infliger ses blessures lui-même. Donc, on va continuer avec les notes de recherche. Voilà. Intéressant. Donc ça veut dire que déjà maintenant on connaît le nom de la femme, donc ça s'appelle Mio, Takano Mio, et donc on va continuer à partir de là. Donc je vais faire juste une sauvegarde. Alors progression, sauvegarder, donc emplacement, et voilà, mais c'est parti. Thank you.
Bon, c'est dans ce monologue intérieur de Keiichi qu'on va s'arrêter. Et donc, on va tout de suite se retrouver pour la suite. Allez, salut, c'était Seijoki.